Et le président Xi Jinping a salué la participation de l'Égypte au sommet des BRICS en tant que membre à part entière pour la première fois. Le président Xi a rencontré son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi sur marge du sommet. Le président Xi a déclaré que la Chine était prête à être un ami sincère et véritable partenaire de développement conjoint avec l'Égypte. Il a indiqué que la Chine était prête à renforcer la coordination avec l'Égypte, à renforcer davantage l'influence et la voix du Sud global et à sauvegarder les intérêts communs des pays en développement. Monsieur al-Sissi a déclaré que l'Égypte était prête à renforcer davantage la coopération pragmatique entre les deux pays. Il a ajouté que l'Égypte était prête à travailler en étroite collaboration avec la Chine sur des plateformes multilatérales telles que les BRICS pour promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable. Les deux dirigeants ont échangé leur point de vue sur la situation actuelle au Moyen-Orient. Le président Xi a déclaré que la Chine appréciait les efforts déployés par la partie égyptienne pour promouvoir un cessez-le-feu et mettre un terme à la violence. Il a précisé que la Chine était prête à renforcer la coordination avec l'Égypte et à promouvoir conjointement un règlement rapide du conflit israélo-palestinien et à désamorcer les tensions régionales.